Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons vous faire un top 3 des ultrabooks pour la rentrée. Alors pour cette vidéo, j'ai fait confiance au site ldlc.com, il n'y a pas de partenariat, mais s'ils veulent être partenariat, il n'y a pas de souci, hein. Mais comme d'habitude, je l'ai déjà dit. C'est parce que voilà, je pouvais prendre Topacha, je pouvais prendre Amazon, mais j'ai pris LDLC, parce que j'avais envie de prendre LDLC, donc voilà. Alors, j'ai fait tout simplement un top 3 du moins cher au plus cher, et j'ai pris les 3 premiers, je ne me suis pas emmerdé, et donc voici les 3 premiers ultrabooks qui ressortent sur le site ldlc.com. Il s'agit d'un HP Stream avec la référence, tenez-vous bien, 11R008NF. Il a un processeur Intel Celeron N3050 en dual core 1,6 GHz. C'est peu, mais c'est un ultrabook en même temps, donc voilà. Il y a 2 Go de RAM en DDR3L. Alors, c'est une nouvelle connerie qu'ils ont inventée, je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est dedans. Un écran WLED, alors ça aussi, je vous demande ce que c'est, parce que c'est quand même bizarre. WLED, donc 11,6 pouces au format 16/9, donc format standard. Une sortie HDMI. C'est quand même très pratique. Un disque dur IMMC de 32 Go, en gros c'est un SSD mais un petit SSD de 32 Go. Un port USB 3, du Wi-Fi N, du Bluetooth 4 et Windows 10 intégré. Et tout ça, ça nous coûte la bagatelle de 229,95€. Donc c'est un HP, ça va aller très bien pour de la bureautique, et encore. Et donc ça fait que des choses simples. Voilà, ce genre d'ultrabook, que des choses simples. Donc pour taper vos cours par exemple, enregistrer des petites images, des petits trucs en cours, c'est très pratique. Donc ça c'est pour le numéro 1, c'était donc le moins cher. Le deuxième, un peu plus cher, c'est le Toshiba Click Mini L9WB102. Le clavier détachable, un Intel Atom Next Gen 1,33 GHz, donc c'est moins puissant que le HP, mais c'est un Intel Atom. 2 Go de DDR3L, c'est quoi ce délire? C'est comme l'HP, hein. Écran tactile de 8,9 pouces, Full HD 16/9. Alors 16/9, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez un écran 16/9 comme le format de cette vidéo, hein, c'est 16/9. 16/10, c'est légèrement moins large. On a un port micro HDMI, 32 Go de IMMC, donc pareil, c'est du SSD. Wi-Fi Bluetooth, un port micro USB 2 et un port USB 2. Alors déjà, c'est du USB 2 et en plus, il y a plusieurs types de ports parce que c'est un écran détachable, c'est une tablette PC, vous voyez, convertible. Donc ça fout un peu le bordel. Un micro HDMI et Windows 8.1. Et tout ça, ça coûte 349,95€. Et enfin, dernière machine, la troisième, c'est le Toshiba Satellite Click 10 LX5WC10D. Le premier qui me fait un truc sur les références, je liquide la baraque direct. Je peux rien faire. Clavier détachable, donc encore un PC convertible. Intel Atom 1,44 GHz. 4 Go enfin de LPDDR3. Alors expliquez-moi ce que c'est. D'une et de deux, il y a plus de RAM que sur les deux premiers que je vous ai présentés. Écran tactile 5 points, donc vous pouvez mettre 5 doigts en même temps seulement sur l'écran. Il gère les 5 doigts, pas 10. 10,1 pouces au format 16/10 aussi. Un port micro HDMI, par contre on a un disque dur SSD, enfin IMMC, de 64 Go. Donc c'est petit mais c'est déjà plus gros que les premiers. Et Wi-Fi, Bluetooth et Windows 10. Voilà. Les caractéristiques principales. 499,95€, donc en gros 500€. C'est plus cher, mais plus vous payez cher, plus vous avez de RAM, de disque dur, de grand écran, etc. Voilà, donc moi, dans ces 3 PC là, celui que je vous conseille pour taper des cours ou des trucs comme ça, vous en avez rien à cirer, c'est le HP Stream qui vaut seulement 229,95€. Évitez de vous ruiner. Si vous prenez un PC pour les études ou que vous tapez des cours juste, arrêtez d'acheter des MacBooks s'il vous plaît, parce que même si ça fonctionne bien, vous tapez vos cours, vous ne faites rien d'autre avec, admettons. Et ben, vous avez payé 1200 balles juste pour taper des cours. Un cahier à Auchan, ça vaut 90 centimes, mon pote. C'est dur à la vie. Donc arrêtez de vous ruiner avec des MacBooks et achetez voilà, les moins chers. Si vous voulez acheter, si vous voulez, pardon, copier vos cours sur PC et juste faire ça, que de la bureautique, ben voilà, le HP Stream à 229,95€ sur ldlc.com. Il est fait pour vous. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée. Moi je le suis, j'attends que ça, je rentre vendredi et pas jeudi. Bah oui, je vous encule d'une journée, tout simplement. Je vous souhaite déjà une bonne rentrée parce que je dois vous le souhaiter et j'ai un truc dans l'œil. C'est pour ça que j'arrête pas de cligner les yeux.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est Seb, parce que je vois qu'il y a des retours assez positifs sur la chaîne, mais vous abonnez pas. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur Facebook, j'ai une page Facebook, C'est Seb officiel, @C'est Seb officiel sur Facebook. Et puis voilà, kiffez la live. J'ai aussi une page Twitter, oui j'ai un compte Twitter, je m'en souvenais même plus, c'est dingue ça. Me semble-t-il que c'est @C'est Seb officiel aussi, si je vous dis pas de conneries. Tout est dans la description, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite de passer une très bonne rentrée, et surtout, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut.